Bonjour à tous. Donc, c'est un message de Dieu, hein, reçu, fait commencer le 18-01-2012 et fini aujourd'hui. Amour, mes chéris, j'ai écrit un roman pour que tu vides les hôpitaux de toutes les excuses de la maladie. Une fois que ta bonne volonté t'a donné les deux ou trois preuve absolue de ton pouvoir par ma réponse, j'atteins ton cœur, qui doit épouser mon horreur du mal et ma passion du bien. C'est encore ton ressort le plus puissant. Les bombes explosent loin. Que sais-tu de demain? Et si ce ne sont pas des éclats d'acier qui te déchiquettent, je sais que certaines situations, sans t'anéantir, te brisent aussi sûrement. Ta communion avec moi est la solution à tous tes tourments. Qu'est-ce qui peut m'être impossible si l'on est ensemble? Qu'est-ce qu'est être ensemble? C'est regarder dans la même direction. Je suis envoué à longueur de journée, tu m'obliges à te parler de crise, de marasme, de tout ce qui fait que sous le soc de mon œuvre, je ne te trouve pas assez meuble. Il y avait des solutions pour exister il y a quelques dizaines d'années. Je ne t'empêche pas de vivre 100 ans si tu as limité les folies de ton corps, mais tu dois savoir que tous les empêchements de tourner en rond sont douce alerte et le moyen puissant de produire plutôt que de te laisser aller. Je ne suis pas toujours à tes petits soins, d'abord car tu ne me les demandes pas. Et surtout parce que je suis en toi et que tu peux trouver tes solutions en entrepreneur. Garde seulement dans ton esprit que je te chéris et que rien ne peut t'affaiblir ma tendresse pour toi. C'est logique, je n'utilise pas l'amour, je le suis. Mais dans ses balbutiements, puisque l'amour ne vit que par une correspondance. Willy n'est que présence d'amour. J'aurais pu le créer esprit, mais je voulais qu'il soit ton aide substantielle. Pour ton élévation, votre rapprochement assuré. Marie et Thérèse n'ont besoin d'aucune aide venant de la terre, comme moi elles se suffisent à elles-mêmes, et ce sont elles qui ont pallié aux déficiences de vos réponses quand mon œuvre les exigeait impérativement. Tu comprendras un jour comment les quatre lois de l'univers ne possèdent aucun jeu dans ses roulements, et que les multiples règles que tu t'imposes ou subis ne signent que ton refus de te référer à celle qui ferait ton bonheur. Comme un immense brasier ne serait que la fumerolle d'un fétu de paille en pénétrant de le soleil, les codes et leurs alinéas de ta survie n'ont pas droit de visite à mon contact. Auprès de moi, il n'est pas de loi. Ce que je crée exige que ce soit parfait, que ce soit bien, que je sois libre de le faire et que j'en aime la réalisation. Ce sont des valeurs intrinsèques à ma nature. Elles ne se déguisent en loi que que l'on se l'impose ou l'impose à un autre. Elles sont limitées. Un cadavre n'en a plus. Je veux t'éduquer sur ce que tu vois comme une douce utopie, la loi d'amour. Je sais, je viens de te dire un gros mot, mais pas que pour toi. La loi du talion est une bribe de principe de beaucoup de vos enfants. J'ai dû donner des commandements. J'ai chassé les marchands du temple. Ne me fais pas un procès, je n'en ai blessé aucun. Mais j'ai montré à tous que la forme d'amour qui est de ne pas juger à sauver la femme adultère. La pirouette métaphorique m'était facile. Mais pour toi, que ou qui vas-tu chercher lorsque tu es blessé? Et quand tu ne manques de rien, qu'est-ce qui te manque le plus? Dans tous les cas, c'est l'amour. La métaphore de la tante et du château et de celle qui vit avec toi est explicite.
Ma création a amorisé l'univers. Tu ne peux un jour ou l'autre échapper à ses raies. Tout se coince à l'approche de mon nom. Je n'y suis pour rien. Si le plus efficace des hommes ne va jamais à l'essentiel, je vous ai tiré du néant. Il était normal que vous ne trouviez plus en vous le moindre appel réel. Tu peux mieux m'entendre aujourd'hui. Mais ta Rolex, ou la montre ordinaire à ton poignet, a été pensée, assemblée. Qu'est-ce qui peut te faire croire que l'agencement parfait d'un système solaire, d'une galaxie ou du mystérieux trou noir n'a pas à la base un cerveau d'architecte? Serais-tu encore trop orgueilleux pour penser que dans l'univers, tu as la taille plus importante qu'une fourmi? Ceci dit, je fais mon œuvre. Le moi de Willy accentue ce qui ressemble à l'amour et ce qui n'y ressemble pas. L'amour amène à l'esprit par la production, tellement proche de la création. Moi, j'ai le temps. Mes sentiments humains ont plus d'impatience. Ils t'appellent par la solitude, par l'ennui, par l'uniformité. Je passe sur tes erreurs et tes maladies. Depuis l'âge de 10 ans, tu aurais dû comprendre. J'avais besoin d'une correspondance en tant que créateur pour le plaisir de réussir un but. Mais mon vœu d'amour qui a fait naître ta race n'était qu'un grand bel oiseau n'ayant que le pouvoir approximatif de te protéger de ses ailes. Imagine que j'ai reçu ta correspondance. Tu aurais la science infuse, Google ou autre n'aurait plus de raison d'être, et tu sais en papier la différence entre la lettre attendue et celle que tu viens de décacheter. Nous allons dire que je t'écris en permanence. Tu lis souvent entre les lignes, quand ce n'est pas à la poubelle que finit ma missive. Notre communion doit être un panaché d'états et d'actions avec le but d'acquérir la foi, la confiance totale en moi. C'est le résultat primaire de notre dialogue. Si tu acceptes la voix haute, la première voix, ma voix, au plus haut degré, elle te parle d'amour. Je vais me reculer un peu parce que le son... Au premier degré, elle te parle d'amour. Vivre son émotion te marque à jamais. Son contraire, la rupture, différemment, mais presque autant. La réalité des sentiments de deux amoureux t'émeut et combien de sensations naissent par une flamme déclarée, souvent après des pérégrinations tellement hésitantes que ce qui paraît évident pour le spectateur semble frôler le néant pour les protagonistes. Je suis tous les amours, ils sont tous beaux, maternels, fraternels, mais reconnais avec moi que l'homme et ses attraits masculins, fondant devant les formes pâles de celles qui les yeux emplis d'appel, te susurre « je ne pense qu'à toi », assure que le monde tourne. Les œuvres sont le reflet de l'auteur. Je te laisse à la réflexion de toutes celles de cette fin de siècle et les miennes. Les fleurs, les gemmes, les étoiles ou l'océan, tes sens et l'amour, comme je veux te chérir en tant qu'individu, ce dernier ensemble de valeurs est prédominant. Il ne te repaie jamais et sert de prétexte à tout. Je veux former mon couple avec chacun de vous. Si tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, je t'ai, suivant ta culture ou ta latitude, déjà tout donné de l'essentiel. Te constituant, je sais tout ce que tu aimes ou aimerais. Quand j'ai fécondé la curiosité de Willy, il est devenu vivant. Avant lui, j'ai fécondé en Thérèse, pour la rendre éternelle, son désir de moi avant toute chose. Pour Marie, il a suffi qu'elle soit Myriam, une bonne épouse. Une bonne épouse, le don de soi d'une généreuse maman et la souffrance de m'avoir vu mourir sur la croix.
Ce n'est pas la vie, seulement les prémices obligées. Les trois coups sont toujours moins intéressants que la pièce de théâtre elle-même. Mais ils annoncent le lever du rideau. 2 millions d'années pour toi sont une longue période. Elles sont le passé, et tu sais ce que je pense de l'hier. Surtout quand son aspect le plus positif équivalait à préparatif. Jusqu'à mon ultime manifestation, mon amour avait trop peu d'écho. Tu es sorti de l'obscurantisme par la science, mais 80% de ce que tu as appris par l'évolution est remis en question. Car si je vous ai toujours confectionné de délicieux gâteaux, j'en suis à la cerise. Tu as compris, c'est l'amour. Le tendre enthousiasme de mère et père qui naquit au désir que tu sois et qui voulait t'engager dans une spirale ascendante ne put au mieux que devenir la roue, ses rayons ne dépassant pas sa circonférence. Ce mois-ci, si tu es sensible... Non, pardon. Ce mois, si tu es sensible, te vois libre au point que tu n'es sûr qu'en recherchant la sécurité de tes fondations. Le plus important à savoir aujourd'hui, c'est que si tu peux réceptionner, c'est qu'il y a eu émission. Je ne te parle pas de celle de Sophie d'avant, mais des miennes. Et si tu ressens ce que je t'ai dit, c'est que ma résurgence la plus inconnue s'offre un nouveau débit. Ta seule raison d'être, utiliser le laps de temps de ton existence pour devenir vivant. Amour, mes chéris, votre Dieu. C'est pas fabuleusement lu, mais la substance y est.